Bonjour et bienvenue à Berlin. Nous sommes ici, rentrés dans les antres du métro pour découvrir la nouvelle Skoda Kodiaq Wix, une nouvelle génération. Ici, on est sur la face avant qui a un petit peu évolué, un petit peu, mais mine de rien, regardez bien, vous avez les feux là, supérieurs et feux inférieurs. Et vous avez la finition Sportline. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette finition Sportline? Viens avec moi. Au niveau extérieur, on a le droit à ce montant D noir. Mais si vous regardez un peu plus, on est vraiment sur une forme assez classique du Skoda Kodiaq. On est presque sur l'ancienne génération. Et la vraie différence se fait, pour moi, sur la poupe. Là, on est vraiment sur quelque chose de nouveau. Là, on ne pourra pas la confondre avec l'ancienne génération. Car comme vous pouvez voir, vous avez les feux qui font ça, mais vous avez aussi sur la version Sportline, le petit bandeau. Alors, on va se déplacer. Viens avec moi, Julien. On va se déplacer sur la version hybride rechargeable. Puisque ce qui est important de savoir, c'est que cette version nouvelle génération de Kodiaq, vous allez avoir évidemment des versions thermiques, dont quand même des diesels, mais vous allez avoir une version hybride rechargeable. 204 chevaux avec un nouveau moteur TSI de 150 chevaux et une batterie bien plus grosse que l'ancienne génération qui va vous permettre d'aller jusqu'à 100 km en full électrique. Alors moi, ce que je vous disais tout à l'heure, le fameux montant D, vous voyez, n'a plus rien à voir. Et donc, ce qui est important de savoir aussi, c'est que le SUV a grandi de 6 cm. Il a pris de l'envergure aussi à l'intérieur. Et moi, vraiment, j'apprécie pas mal hein, ce nouveau dessin de la poupe qui marque vraiment sa différence par rapport à l'ancienne génération. Comme vous pouvez voir, vous avez un lettrage. Là, il commence à y avoir du monde. C'est un peu compliqué pour nous d'aller un peu plus loin. Mais moi, je vais vous demander de venir. On va passer vite fait à l'intérieur. Car même s'il y a du monde, c'est quand même ça qui est assez intéressant. Vous avez une nouvelle finition, un nouveau dessin. Une tablette de 13 pouces. Elle est gigantesque. Une belle finition. On est vraiment sur ce que Skoda sait faire. Donc toujours avec du Simply Clever. Vous voyez le mélange des matières. Donc vraiment plutôt pas mal. Et donc toujours avec une version 5 places et 7 places de ce Kodiaq. Bon, le plus important, c'est de nous suivre sur la route automobile. Vous allez avoir les photos faites par Julien. Vous allez avoir mon texte et cette vidéo, évidemment, qui est sur YouTube et sur le site. Allez, à bientôt.